tous et à toutes et bienvenue sur Narlex In Game. On se retrouve pour continuer sur la série de Retro Game The Settlers 3. Et cette fois nous sommes sur le front ouest, toujours avec les Égyptiens et bien sûr les pirates romains. Voilà. Donc là c'est simple, on va falloir se dépêcher de prendre ces embouchures, là les trois, pour avoir une protection adéquate. Ça va être tendu, mais il va bien falloir réussir. Faut surtout pas que les pirates en fait arrivent là et me prennent. Bon, ils sont très loin, hein. Eux, faut que je les bloque. Ça y a pas photo, faut que je les bloque. Et il va bien falloir que je fasse énormément de défense sur ces deux fronts. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon alors, va falloir que je me dépêche. Alors, hop, déjà on va mettre ça en place. On va commencer à s'agrandir un peu. Alors déjà on trouve du charbon, donc ça c'est pas mal. Je vais refaire tout de suite une cabane de bûcheron qui va être assez importante quand même pour avoir un flux de bois un peu plus important qu'une seule et construire un peu plus vite. Ça va de soi. Charbon, charbon, charbon. Au niveau de mes unités, c'est ça. Il va falloir que je trouve aussi mes adversaires. De toute façon, ça va se construire tranquillement. Là, bon, c'est assez rapide parce que j'ai toutes les ressources qu'il faut. Après, ça sera un peu plus lent. Bah, il va falloir du bois, de la pierre. Dans un certain flux constant, on va dire. Cabane de pierre, toujours besoin d'en faire. Faudrait que j'aille récupérer ce petit silo de pierre aussi. Ouais. Je coupe tout ça. Voilà. Là, faudrait que je coupe ça. Que je laisse que je laisse un peu tout raser et pousser d'un côté. Ferme, je peux pas le récupérer pour l'instant. Il va falloir que je m'étende aussi là. Il faut que je sois assez active, on va dire. Alors, je vais les envoyer autre part pour qu'ils me trouvent les ressources un peu plus loin. Hop, du fer ici. Et voilà. Alors, cabane de pêcheur que je vais mettre là.
charbon. Bon, je vais commencer à poser la frappe. Je vais faire. Que je fasse tout ça. Mais il faut pas que j'oublie voilà, la résidence quand même pour avoir plus de monde. Ça va niveau pierre, j'ai quand même assez ce qu'il faut. Et bois, et ben ça va, c'est correct. Je pense que je suis bien élancé pour l'instant, on va voir par la suite, mais quand je me dépêche de faire une armée. Hein. On sait pas ce qui peut m'arriver sur le coin de la gueule. Bon, les constructions commencent à se terminer. Là, j'ai la ferme bientôt, donc deux en bois, ça arrive, hein, c'est terminé. Je vais commencer à faire du blé. Là, bon, bah, là, je peine un peu au niveau du charbon. C'est pour ça que j'ai deux slots de charbon encore en construction. Il va vite falloir que je fasse du pain en masse pour le charbon. Le poisson, bon, ça va. Hein, faudrait que je rajoute un cabane de pêcheur quelque part, voilà là. J'ai vu. Voilà, ça peut être sympa. À voir. Bon, faudrait que je commence à construire aussi. Ouais, fer. Je pourrais peut-être construire une cabane de fer là, mais j'en ai une là aussi à faire. Que j'ai juste posée. Il va falloir que je commence à construire le baraquement. Voilà. Donc prioritaire. En fait, c'est surtout le bois là actuellement qui me manque. Voilà, je vais essayer de m'agrandir. Il faudrait que je refasse encore une cabane de bûcheron. Je pense que ça pourrait être sympa. Ah voilà, il commence à bosser pour avoir un peu plus de marteaux. Parce que bien sûr, j'ai épuisé tous mes marteaux. Là, c'est le bois, hein. Le bois qui me ralentit. Il faudrait que je fasse quelque chose, quoi. En gros. Il faudrait que je m'étende. Et par exemple, ici, je peux refaire un civiculteur avec un bûcheron et carrément une nouvelle scierie.
me fait déjà attaquer, donc faut vraiment que je prépare mes défenses. Là, ça va commencer à être tendu. Même si je viens de repousser l'attaque avec facilité, il faut impérativement que j'ai mon baraquement et que je commence à produire énormément d'unités. Là, il n'y a pas photo. C'est un besoin. Bon voilà, la grosse résidence vient de finir. Je vais avoir... Parce que j'avais un souci de porteur. Quand on regarde, je suis plein de poissons, plein de pain, de bois. Là, je commence à être bien blindé d'un peu partout. Et là, voilà, avec la grande résidence... Ah ! Oh merde. Avec la grande résidence... ça va être majestueux ce qui va se passer. D'un seul coup, ça va faire un boom. Et je vais avoir une très grosse progression. Bon, je continue à voler les biens. Je vais faire un entrepôt. Voilà. La première porcherie est faite. Ça c'est bien. Ça continue à sortir. Là voilà, ça bosse de partout là. C'est nickel. On va commencer à monter le blé en haut. On va piquer du charbon. On va quand même protéger cet endroit-là si les Romains veulent attaquer. Que je m'agrandisse et que je sache un peu ce qu'il y a ici. Il me faudrait encore du charbon. Voilà, bah tiens, hop, je vais t'envoyer là-bas. Putain, poisson en tout cas. J'ai beaucoup de poissons, hein. Voilà, au moins j'ai pris un terrain. Je suis content.
Maintenant, va falloir quand même faire attention parce qu'ils, je pense pas qu'ils vont aimer. Ils vont surtout rappliquer. C'est bien possible. Je reste d'un œil averti. Bon, niveau soldat, ça va. Ça gère. Faudrait que j'envoie, tiens, celui-là. Y'a pas du fer là, enfin le. Y'a pas du charbon là. Ouais, mais y'a du charbon là. Regardez. Trouvez-moi du charbon ici. Ah, voilà. Non? Oui. Il n'y avait pas un qui était en mal en point. Ouais. Tu veux pas aller te guérir? Non. Bon. Ah, beaucoup de fer. Merde. Un peu chier du coup. Ça fait un peu chier. De l'or. Très peu de charbon. Faudrait que je regarde là. Tout bon là encore. Pas bien hein. Sont pas bien les Égyptiens, tu te demandes ce qui leur arrive là actuellement. Putain, courir après tout le long, ça va se fouler. Oh là là. C'est bon, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'Égyptiens. Putain, il est neuneux quoi. Bon, là il reste 16 pierres. Ouais, par contre, la pierre a commencé à être tendue, je pense. Très très tendue. Alors, ok, d'accord. Bon, ça va encore. Hein. Ouais, bah, une wolf, hein, ça va. Là, bah, voilà, il attaque. Hein. Coucou, ma biche. Alors, vous me rendez visite? Allez, venez, mes bichons. Je suis là. Au revoir. Bonne enfoirée. Peut-être qu'il n'y en a plus de pierre. Non, il n'y en a vraiment plus de pierre. C'est assez problématique.
Je n'ai plus de pierre. Bon, il y en a encore là. Il y en a encore là, mais là, ouais. Il y en a plus. Faut que je vois s'il y en a quelque part ici. Ce serait assez intéressant. Ou même par là, hein. Allez, festoyons à la victoire. Enfin, à la victoire, on va voir. Hein. Je vais avoir quand même énormément de pertes, pertes normalement. Alors si je peux le couper carrément son flux ça peut être sympa. Je crois que les Romains ils doivent être quelque part là, là leur frontière. Hein. Ouais, voilà, ils sont juste là. Déjà, je peux avoir deux fronts, enfin, là, je peux pouvoir les attaquer d'ici. Déjà, très bien. Éclatez-vous. Intervention divine pas encore. Par contre, il va falloir faire un peu d'épéiste, bien sûr. Voilà, une 20, au moins 20 de plus. J'en ai quand même perdu. Y'a pas à dire. Il n'y a pas de pierre, hein. Je recherche toujours que vous avez la pierre et il n'y en a pas où. Encore, hein. Il y en a encore. C'est qu'ils avaient un gros territoire, tout de même. Faut avouer. Ils n'étaient pas petits. Là, et là, ok. Bon, on va rester là-bas, de toute façon. Oh, je l'ai fini hein, en fait, enfin j'ai fini, même les Romains, je vais les écraser dans la foulée je pense.
Ils ont plus rien. Encore? Et là, énormément de pierres. Donc c'est un bon point pour moi. Donc là, je vais pouvoir construire une mine de pierres. Encore? Oh là là! Détruire celle-là. Voilà. Je vais même commencer. Voilà. C'est loin, mais utile. Toujours pas. Je vais refaire une autre grosse résidence. Voilà. Et ben voilà. Il n'y a plus personne. Et ben, je refais un peu d'unité et je pars attaquer les Romains. Donc pour le front ouest, c'est bientôt la fin. Cabane de bougnate, ça fait du charbon, c'est vrai. Bah... Ha ha ha.
Bon bah allez, je vais attaquer avec ça déjà, voir un peu comment est la force. Oh putain. Ah. Faites-moi saigner tout ça là. Il y a quand même beaucoup de Romains vers qui là. Ça fait mal. Il est tout perdu. J'y ai tout perdu. Il est totalement tout perdu. Que des chats, que des archers que j'ai maintenant. GG. Bon, ici c'est l'affront direct. Je suis sûr de perdre beaucoup en attaquant là, mais eh ben va falloir faire beaucoup de troupes. Hein. Eh mes cocottes. Mais c'est où les transporteurs là pour me transporter la pierre? Ah mais ils arrivent. Quand même. Ils me font, là ils me font un peu plus peur parce que... J'ai pas... Partent un peu bébelouette pour aller chercher les ressources, c'est pour ça qu'ils mettent un peu plus de temps. Bon allez, on va se refaire. Là il y a un petit tas ici. Ça pourrait être très sympathique de pouvoir prendre ce tas et de l'amener. Ce serait plus rapide. Si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'ils voient pas trop ce que je veux dire. Bon écoutez, de toute façon il va falloir que je refasse une grosse armée pour les attaquer parce que ça va être assez tendu. Je vais peut-être attaquer par deux fronts, donc on verra pour la prochaine vidéo du coup. Ce sera en deux parties. Parce que là je suis obligé de tout refaire, parce que même là j'aurai jamais assez. Il va peut-être falloir deux résidences, faut peut-être... Bref, il faut que je me renforce, que j'augmente ma production, enfin de pas mal de choses quoi. Bon écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, bye bye!